Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Alors, comme promis, on se retrouve pour la lecture sentimentale. Donc, je vous avais dit que dès le mois de décembre, donc ce mois-ci, j'allais commencer à faire des lectures sentimentales. Alors, on y est. Donc, aujourd'hui, je fais le tirage des énergies sentimentales pour le signe du Bélier. Avant de commencer, comme à l'habitude, je tiens à vous dire que les messages ici sont d'ordre général. Alors, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire également. Et j'ai mis ici une petite clé pour vous rappeler tout au long du tirage, de la lecture, que vous avez la clé de votre destinée. Hein? Rappelez-vous que c'est vous qui déterminez votre vie, dans quelle direction votre vie va aller. Donc, peu importe le message qui sera donné ici, c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire avec tout ça. D'accord? Donc, vous avez vraiment votre vie en main. Alors, je vous rappelle également que pour le mois de décembre, vous avez une promotion. Je vous offre un cadeau à l'avance, en fait, pour tous ceux et celles qui voudront avoir un tirage personnalisé. Vous pouvez me rejoindre à l'adresse à la barre d'infos. Et pour le mois de décembre, bien, toutes les personnes qui me feront une demande de tirage personnalisé pour deux questions, vous pourrez l'obtenir au tarif d'une question. Et pour tous ceux et celles qui feront une demande pour trois questions, vous pourrez l'obtenir pour le tarif de deux questions. Donc, c'est seulement pour le mois de décembre. Profitez-en, offrez-le en cadeau à quelqu'un, offrez-le vous en cadeau également si ça vous intéresse. Donc, c'est peut-être un beau cadeau à offrir. Voilà, alors on commence avec les énergies sentimentales pour vous, mes chers béliers. Donc, on voit que vous souhaitez vivre une relation épanouie. Vous souhaitez vivre dans le bonheur, dans la joie, dans la stabilité. Hein? Ici, on a le 4 de bâton qui nous montre ça, que vous espérez vivre ce genre de relation-là. Et peut-être que dans votre relation actuellement, votre partenaire est très indépendant. C'est une personne très indépendante qui accorde beaucoup de temps à son travail, qui ne priorise pas nécessairement le couple ou le bonheur que ce couple peut vous apporter mutuellement. Alors, on le voit ici avec le diable inversé, hein? Peut-être qu'il accorde, il priorise le matériel ou il priorise l'argent qui rentre dans votre foyer. Donc, il n'accorde pas beaucoup de temps et d'importance à la relation actuellement. Pourtant, auparavant, on voit que vous viviez un parfait bonheur, hein? Vous étiez bien tous les deux, tout fonctionnait bien. Donc, présentement, vous avez de la difficulté à prendre une décision par rapport à ce couple-là. Vous avez peur peut-être de vivre un deuil ou de vivre une certaine déprime, hein, si vous décidez de quitter. Mais avant de penser, avant de songer à quitter, bien, peut-être essayez de communiquer avec votre partenaire, essayez de lui faire comprendre vos besoins. Dites-lui que ce que vous voulez, que vous l'aimez, que vous voulez que retrouver en fait le bonheur que vous aviez auparavant. Des fois, c'est simplement une petite discussion entre vous qui peut régler les choses. Et après avoir tout essayé, bien là, c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre une décision. D'accord? Alors, si vous restez dans cette relation-là telle qu'elle, bien c'est certain que vous aurez de la peine et du chagrin. Hein? Peut-être que vous allez vivre une certaine dépression, que vous quittiez ou que vous restiez. Si les choses ne changent pas, bien, c'est sûr que vous allez vivre des moments difficiles.
et vous allez peut-être même perdre de l'estime de vous-même. Ici, on voit qu'il y a une certaine lutte de pouvoir. Hein? Vous voulez avoir quelque chose, lui veut avoir... Lui, mais c'est lui ou elle, je parle du partenaire hein, ou de la partenaire. L'autre personne a beaucoup d'ambition et peut-être que c'est là où vous ne vous rejoignez plus. Vous ne vous rejoignez pas. Peut-être que vous, vos priorités, c'est l'amour. Peut-être que lui ou elle, sa priorité, c'est le confort matériel, d'accord? Et l'argent, d'être confortable et de ne pas s'inquiéter pour l'argent. Donc, il y a une certaine lutte de pouvoir entre vous deux ici par rapport à cette question. Pourtant, vous considérez que vous êtes quelqu'un de fiable, que vous êtes responsable, que vous contribuez adéquatement, monétairement au foyer. Vous ne comprenez pas pourquoi l'autre s'inquiète. Hein? Vous êtes quelqu'un qui apportait de l'argent, qui est responsable, qui fait ce que vous avez à faire. Mais l'autre a peut-être l'impression que c'est seulement lui ou elle qui investit monétairement, hein, qui apporte l'argent au foyer. Peut-être que il ou elle considère que votre salaire ne suffit pas à son goût, c'est pas assez. Alors, ça vous crée des tensions ici entre vous. Donc, discutez-en, mais peut-être que si vous n'avez pas la même vision, peut-être que les choses ne changeront pas également. D'accord? Donc, vous avez peur, vous, de faire une nouvelle rencontre. Vous avez peur de laisser ce que vous connaissez le mieux, en fait, pour une nouvelle rencontre. Vous avez peur de tout recommencer, puis d'être déçu à nouveau. Vous préférez supporter la situation telle qu'elle est plutôt que de recommencer. Alors, vous pensez que c'est vous, peut-être, qui avez un problème, que peut-être que vous pourriez voir les choses différemment ou faire les choses différemment et vous vous remettez en question par rapport à ça. Ici, on voit que peu importe... L'issue de ça, c'est que si vous restez dans une situation telle qu'elle, hein, on ne dit pas l'issue, je ne vous dis pas l'issue absolue ici. Je vous dis que si vous restez dans la situation telle qu'elle est, si rien ne change, si votre partenaire ne fait pas les efforts pour que la situation s'améliore, bien, c'est sûr que vous allez vivre un grand chagrin. Hein? Je ne sais pas si vous voyez la carte ici, vous avez le 3 d'épée. Donc, c'est certain que si la relation reste telle qu'elle, vous allez vivre un chagrin et que de toute façon, éventuellement, vous allez quitter. Mais, comme je vous l'ai dit ici, avant de prendre une décision avec la justice inversée, vous avez peur de prendre une décision, bien, avant de prendre votre décision, bien, prenez le temps de discuter avec votre partenaire de vos besoins, de vos inquiétudes, et ça va l'amener lui également à vous parler de ses propres inquiétudes à lui ou elle. D'accord? Donc, ne laissez pas les choses aller comme telles. Maintenant, pour les célibataires, l'essence du message est semblable. Alors, on voit que vous voulez avoir une belle vie, rempli avec de l'amour, de la joie, de la stabilité, mais que c'est peut-être vous, dans ce cas-ci, qui n'accordez pas assez de temps à des possibles rencontres, à un amour possible, hein, parce que vous accordez beaucoup de temps à votre travail, à vos autres activités, parce que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Et vous réussissez seul. Donc, peut-être que vous n'accordez pas le temps et l'énergie à une relation. Vous accordez beaucoup d'importance au plaisir de la vie, au matériel, à l'argent, au confort. Donc, comprenez-vous? Donc, vous ne vous laissez pas la chance.
Pourtant, par le passé, vous avez vécu une relation intéressante, une relation qui vous comblait. Mais c'est peut-être à cause de ce comportement-là que vous aviez qui a fait que vous vous êtes séparés. Hein? Et que maintenant, vous vivez le deuil de cette séparation-là. Donc, apprenez de vos erreurs, apprenez de vos... des actions que vous posez, que vous avez posées par le passé qui vous a amené dans cette situation de solitude. Il faut apprendre de ça. Et on voit ici avec la carte de la mort inversée, hein, l'arcane sans nom inversée, bien, c'est ça, c'est que vous avez de la difficulté, vous allez avoir de la difficulté à laisser tomber les choses qui sont importantes pour vous. Mais vous n'avez pas besoin de laisser tomber des choses. Vous avez, vous pouvez toujours avoir vos activités, avoir votre travail, vous pouvez toujours faire ce que vous faites présentement, mais avoir assez de temps aussi pour accorder à une relation, mes chers amis. D'accord? Vous êtes en lutte avec vous-même dans cette situation-là. Donc, asseyez-vous et réfléchissez. Si les choses ici sont importantes pour vous, vous n'avez pas besoin de les laisser tomber au complet. Simplement laisser du temps, de l'énergie à une relation, à un nouvel amour. Hein? Parce que vous êtes quelqu'un qui est capable d'aller chercher normalement ce dont vous avez besoin. Mais pour cela, vous devez investir. Si vous voulez vraiment avoir une vie de couple, une vie amoureuse, mais vous devez investir en vous et votre relation et en l'autre aussi. Et vous avez peur de ça, vous avez peur, comme je l'ai dit, même pour les couples, vous avez peur d'une nouvelle relation parce que ça va peut-être vous demander de vous remettre en question. Mais si vous laissez la situation aller de cette façon-là, bien la même chose pour vous. Vous allez vivre du chagrin parce que vous allez vivre dans la solitude. Et vous allez de toute façon devoir laisser les choses qui ne vous servent plus présentement. Hein, les choses qui sont si importantes pour vous ici, bien éventuellement, si vous voulez vivre... un amour, mais vous devez tourner le dos à certaines de ces choses-là pour vous permettre de vivre un amour, mes chers béliers. D'accord? Donc, voilà, c'était votre tirage. Et la clé ici vous montre que vous avez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec cette situation-là. D'accord? J'ai une carte pour vous, un message des anges de l'amour. Donc, voyez-vous, ça s'accorde beaucoup au couple. Ça vous dit « amour non réciproque ». Donc, elle vous dit, la carte, « il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer ». Voyez-vous? Alors, que ce soit pour les célibataires ou pour les gens en couple, bon, pour les gens en couple, mais si vous voyez que cette relation-là ne vous sert plus, mes chers béliers, bien, vous savez ce que vous avez à faire, hein? Et pour ceux qui sont célibataires, bien, c'est que si vous rencontrez quelqu'un éventuellement et que vous persistez dans ce comportement, que vous n'accordez pas de temps à votre relation, bien c'est sûr qu'il n'y aura pas un échange amoureux possible. Alors, je vous lis ce qu'on dit sur l'amour réciproque, non réciproque. Donc, les anges de l'amour vous offrent cette carte avec compassion pour répondre à votre question. La personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes. Cependant, l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris, où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement. Ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre, dont la raison est le manque d'attrait chimique.
Vous partagez peut-être un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable. Cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui manque et que vous sentez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlée. On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, mais il peut se neutraliser et se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines, car vous recréez la situation originale en espérant l'améliorer. Demandez aux anges de vous guider pour élever vos fréquences spirituelles afin d'attirer un partenaire de même nature. Vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle, ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation. Alors voyez-vous, mes chers amis, vous méritez un amour sincère. Et pour ceux qui sont en couple, arrêtez de vous remettre en question. C'est-à-dire que c'est bon de se remettre en question, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas votre faute si votre partenaire ne vous rejoint pas dans vos valeurs. Comprenez-vous? Si pour vous, le confort amoureux est plus important que le matériel, bien, ce n'est pas de votre faute. Alors, sachez ce que vous voulez dans la vie, d'accord? Et pour les célibataires, bien, comme je vous l'ai dit, mais vous ne pourrez pas aller, alors, vous ne pourrez pas vivre un amour réciproque si vous ne mettez pas les efforts, d'accord? Alors, voilà, c'était votre tirage, mes chers béliers, pour ce mois-ci. Donc, prenez soin de vous et faites ce qu'il y a à faire. Si vous tenez vraiment à vivre un amour sincère, faites ce qu'il y a à faire pour vous, pour vous sauver d'une relation qui n'est pas bonne pour vous ou pour en créer une qui sera bonne pour vous. D'accord, mes chers béliers? Alors voici, je vous laisse là-dessus. Je vous rappelle la promotion de Noël, donc pour ce mois-ci uniquement. Allez voir peut-être le message là en barre d'infos et vous pourrez vous procurer des lectures à des tarifs moindres pour ce mois-ci uniquement. Donc, profitez de cette promotion. Alors, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes également. Et on se revoit le mois prochain. Au revoir.